C'est merveilleux. Oui, c'était merveilleux. Maintenant, il y a un truc. Tu vas me faire folle. Et je pleure. Parce que je suis sentimental. Et ça me touche. Il y a un truc quand même que je voudrais dire, que cette journée, si on l'a fait grâce à Anne-Marie, parce qu'elle a eu cette idée merveilleuse de nous réunir, j'espère que ça continuera et que ça ne s'arrêtera pas. Voilà, c'est tout ce que je demande. Et bon, on a eu du temps à se mettre ensemble, de se revoir, et bon, j'aimerais que ça continue. Maintenant, s'il y a quelques... Même s'il faut aller à Carpentras, même s'il faut aller à Sète, même s'il faut aller à l'eau, je suis prêt. Si tout le monde est d'accord, je ne voudrais pas que ça s'arrête là. Voilà. Sinon, ce qu'on fait aujourd'hui, ça sert à rien. Voilà. Bon, mais bon appétit et... Attends, on va reculer sa chaise. Est-ce qu'elle vous laisse passer? Tu aimes la vidéo, ça c'est bien. Voilà, je vais voir tout le monde. Bonjour les jeunes. Bonjour les jeunes. Vous êtes la génération future. Et là, c'est nous. Je vous donne la permission d'aller promener. Merci. Ici, je passe à la table suivante. Parce que là-bas, c'était les très jeunes. Là, c'est les jeunes. Oui, il y a des jeunes, mais il y a des moins jeunes aussi. Ah, voilà. Je retrouve la même. C'est bon. Mais là, c'est les moins jeunes. De la table, oui. Tu fais aussi là. Je fais comme un peu. Moi, je suis à la table des vieux là-bas. Hein. Oui. Alors, ici, la table Morin. Roger. La table Morin Roger qui est là. Voilà. Vous me faites des petits coucous là-bas. Adeline Véronique, voilà. Très bien. Et la petite demoiselle. Léa. Voilà, un petit coucou. Ici, vous n'êtes que trois, mais vous êtes les trois meilleurs. C'est ça. Hein. Voilà. Il y a pas eu, vous n'avez pas eu d'invité. Là. Mais aussi, la bouteille ne descend pas beaucoup. Hein. Je vais venir là, je pense. Dans un deuxième temps, je vais venir là, peut-être. Je continue ici. Voilà. Bonjour à toute la famille. Voilà, bonjour, bon appétit. Tout va bien? Tout va bien, pas de soucis. Et là, vous êtes que toutes les deux aussi? Oui. Vous auriez pu vous rejoindre avec la table de là-bas. On n'avait pas vu. Et voilà, vous auriez fait connaissance. Le seul sel, c'est quand même de manger. C'est très bon. Ah, parfait. Ici, cette table, je fais un petit tour d'horizon. Voilà, pour un souvenir pour ma maman. Comme ça, elle verra tout le monde. Bah, toutes les tables sont morales, je vous signale. Mais nous, c'est morale des morales. Morale des morales, c'est les... Le problème, c'est de savoir quelle morale. Ah. Parce que les descendants de 9, ça fait beaucoup. Pourquoi c'était le numéro 5, André, 7. Oui. C'est le 7. T'as que ça? Ah, c'est bon. Attendez, je prends le badge. 4 et 5. Voilà. Là, c'est la descendance. Voyez mon 5. C'est la descendance d'André. C'est la descendance d'André là. Voilà, j'ai compris. C'est tout trouvé. Je vais où?
après je vais à la descendance de Simone. Donc la descendance de Simone, là voilà. Oh Simone. Je fais le tour des... me disent c'est la table des Morins. Je dis mais partout c'est des Morins. C'est ça. Plus ou moins il y en a qui... Alors, voilà. Et je finis par la table. Alors là, c'est la meilleure des tables. C'est la table princière. C'est la table princière. La table des cousins. Et Jean-Paul, il est parti. Il fallait se servir. Ah, c'est bon, hein. Apparemment, c'est... Et maman, elle est partie. Elle t'a juste à manger. Et voilà, je vais la suivre. Hein. Voilà, elle est partie. Regardez, maman. Et où tu vas? Je vais prendre mon travail, là. Voilà. Venez, à quoi? Ça va, vous? Tu bourras à Jacou, là? Tu veux dire, tu bourras à Jacou? Ça va très bien. Bonjour, c'est rigolo. Où tu vas, Tata? T'es pas fatigué? Non, un peu saoulé par tout ce bruit? Quelque chose au dessous. Ah, bon, c'est bien. Ah oui. Mais ce soir, au lit de bonheur, demain, de souvenirs, encore. Oui, des trucs comme ça. C'est que c'est un grand sensible. Derrière, tout le monde avait mon air de folle. Je suis un grand sentimental. Je suis un grand sentimental. Alors, ne me refais plus des choses comme ça. Hein? Le message est passé, hein. Je l'ai pris à la caméra, le message est passé, il y aura bien quelqu'un qui prendra la relève. Mais au moins, enfin, si on a fait ça, c'est pour que quelqu'un prenne la relève, hein. Oui, oui, tout à fait. Non, mais Jacqueline, on doit y aller, nous. C'est l'heure où tu es caché. Jacqueline, ah, oui, Jacqueline, c'est elle, oui. Très peu, hein. Très peu de contact, mais c'est avec elle. Imagine-toi ça. Moi, quand j'étais à... Assieds-toi, tata. Oui, c'est bien. Bon, reste. J'allais chez ma marraine à 40 ans, quand j'avais une ferme. Il y avait Jacqueline, elle était pas mariée. Quoi. Donc je passais le week-end. Après, quand elle s'est mariée, moi, elle était à Perpignan. Je suis venu une fois à Perpignan, avec mon ex-femme. Elle est venue une fois, et la dernière fois qu'on s'est vu, c'est à l'intérieur de sa mère.
se voit pas, mais c'est elle que j'ai vue le plus souvent. Très bon. Ça y est, comme quoi ma fille a oui. Ce... Voilà. Ah oui, oui, c'est vrai que quand je le voyais, c'était ma fille qui me ressemble, à mon fille et nièce, Anaïs, mon mari, qui a 31 ans et qui est mariée, qui n'est pas mariée, qui est à Rennes. Ce sont mes deux enfants, Anaïs et Adrienne. Voilà. J'ai eu cette semaine à la plage. Oui. Donc j'ai eu Pourquoi elle n'a pas pu venir? Eh bien, parce qu'elle est partie d'Espagne. C'est elle est en Espagne, vous voyez. Ouais. Mais la prochaine fois, parce que je lui ai dit qu'elle aurait pu rester. C'est les petites filles de Claudie. C'est deux petites filles. Il y a des drames dans cette famille. Le papa est né. Allez, on repart. Donc, on a vu des anciens et puis donc dans une salle de Saint-Jean-de-Valériste, il y avait une exposition et en sortant, c'est ça, hein? Oui, en sortant, on a vu Michel. Elle a reconnu Michel. Si elle la connaissait bien avant, tu la connaissais. Oui, quand même. Oui. Bon, elle avait un peu changé. C'est-à-dire, parce qu'on nous l'a présenté, on a parlé à des gens qui étaient de là-bas. D'ailleurs, moi, j'ai les coordonnées d'une dame qui t'a bien connue petite, c'est Madame Pontier. Madame Pontier. Oui. Alors, du coup, elle nous a parlé surtout de toi. Et j'ai laissé ses coordonnées. J'étais la patronne. C'est ça, c'est ce qu'elle nous a dit. C'est ce qu'elle nous a dit. Je suis pas votre jeune. Maintenant quand même. Oh, 90 ans, quelque chose. Ah, très âgée. Oui. Quand t'as connu petite, toi. Oui. Elle se rappelait bien de toi, de papa. Elle se rappelait moins de papa, mais elle se rappelait beaucoup de toi. Beaucoup de moi, oui. Ouais. C'est ce qu'elle nous a dit. Il y a travaillé d'ailleurs toute sa vie. Oui, elle nous racontait des anecdotes. Et voilà, donc du coup, il y avait un film qu'on a regardé, et puis en parlant, on a retrouvé Michel comme ça. Alors, tout à fait par hasard. Parce qu'on n'était pas sûr de l'avoir, puisque. Je ne suis pas surprise, c'est que vous soyez beaucoup. Mais c'est parce qu'on nous a présenté. Oui. Et puis il n'y a pas eu de soucis. Moi non, j'étais petite. Elle est fatiguée en ce moment. Moi alors, comme j'ai cru qu'elle venait, je ne l'ai pas rappelée parce que j'ai dit on se verra. Donc parce qu'elle nous a invité chez elle à la Pierre Rouge. Et donc j'ai dit on la réinvitera. Et puis j'ai dit on le fera au mois de septembre. Et comme elle viendra à la fête, j'ai dit bon. Pas de problème, on pourra se contacter. Elle a eu une marche de dame. Je sais pas. Je suis dit non. Vous êtes là. Évolue. Allez, j'arrive, je le pose là. Je vous préviens. Ah, oh, bah alors ça va pas le faire. Hein. Pourquoi tu veux pas être vedette, Isabelle? Il a un ami. En plus, on mange trois parce que j'ai mangé avec lui hier soir. Voilà. Non, avec l'ami de Médicis. Vous voyez la fillette au corail. Au revoir. 25%.